Bonsoir YouTube, voilà un petit replay. Je vous ai épargné l'intro, dommage, mais il va y en avoir une autre juste après. T'as pu retirer de la moule. Ok. Donc t'as fait opposition, tout ça, bon, ça va. Mais la carte du Tal, ça se fait très vite, tu vas voir, c'était pas. Tales of Arise, ouais! Du coup, je l'attends beaucoup plus que prévu. Déjà que je l'attendais comme un fou. Override, save data, yes. Ah, merci Auguste. Même les fails de fin contre le boss ou. Malencontreusement, il était plus fort que moi. Yes. Rare jeu que tu attends, c'est Fort de Café, ouais. Clairement. D'habitude, c'est eux qui m'attendent. Et là, il y a une magnifique intro aussi. Ah bon, juste après ça, pardon. Donc on va garder le nom de base. Et je suis vraiment curieux sur ce que ça va donner. Parce qu'à l'époque, sur Saturn et sur PC Engine, il y en avait un qui. Ah, je sais plus comment il s'appelait ce jeu. Il y en avait un autre qui était dans le même genre. JRPG et jeu de voiture. Ah, je vous le retrouverai. Des news sur un lien vers le passé bientôt, Auguste. Bientôt. Ça arrive. Donc dites-moi si pour le son c'est bon, si je suis pas trop fort ou si c'est. Ouais, je crois que je vais mettre plus fort quand même là. Et c'est lui qui est bouffi. Ah oui, le retour de Grenil. En même temps, j'ai pas eu le temps de chercher d'autres fonds, pardon. J'aurais préféré mettre autre chose, mais bon, Grenil c'est bien aussi. C'est bon pour le son? Bon, nickel. High Speed Driving RPG. Et les musiques sont très jazzy, hein. C'est. Ouais, c'est. Non, les musiques sont extrêmement bien. Et ouais, donc comme promis, j'allais l'essayer. Voilà, et c'est ce soir. Listen. Oh là, ah, il me laisse pas le temps! This night is tonight. Ok, ils sont excités, très bien. The Light, ils sont en retard comme d'habitude. Sous Punks. Ok, je suis malade d'attendre. Par contre, ça va trop vite. Hein. Ah ouais, toujours Auguste, toujours. Bah, ça fait très Initial D, hein. Initial D ou l'autre jeu là qui. Tokyo. Ah, ce qui se déroule dans les autoroutes de Tokyo là. Jeu de voiture. Bref. Pas grave. Par contre, le design est particulier des persos, hein. C'est bien marqué. Auguste qui ressort les dossiers. Prologue My Crimson Moon. J'ai testé le patch 1.3 sur One X. Et c'est plutôt positif, Attends, tu me parles de Cyberpunk en fait, la patch 1.3. Ouais. Prologue Night Crimson Moon. Tokyo Highway, voilà, Cool Fly. Je l'avais sur Dreamcast celui-là, c'était un jeu Genki. Je me souviens de l'éditeur encore, mais le nom m'a échappé pendant 5 minutes.
Ah là là. Ville provocateur. But I say I'm feeling too lucky about tonight. Je suis trop chanceux de cette nuit. Yeah, why that? Pourquoi tu te sens chanceux? It's a good night for... C'est pas vraiment le type de nuit pour un début, ok. On m'a balancé un nonos, je l'ai rattrapé, quoi. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu vivais sous un rocher? Aide-moi. T'as testé tout à l'heure le 1.3? Non, moi j'ai totalement désinstallé le jeu, j'ai plus de place moi sur cette console. Et du coup, ce soir, si je suis suffisamment en forme après le test de ce premier chapitre, parce qu'il n'y a que le premier chapitre qui est. Comment ça s'appelle? Qui a été traduit, bah. J'ai branché ma Switch. Il y a des jeux qui m'attendent sur Switch. Tout le monde connaît les règles? Comme d'habitude, ok. Ikki versus Akira, time to settle this. Pokémon Unit? Non, Kabuffi, pardon. Mario Golf? Ah non plus. Ah puis ça y est, je vais être obligé de changer de téléphone au fait, Auguste. Je suis pas content. Je sais toujours pas ce que je vais prendre. Par contre, j'ai déjà changé de forfait. Ton stream n'est que des illusions, hein, t'as vu. Ah, j'ai des goûts particuliers quand même. Looting? Pourquoi ils veulent looter? You got to snatch. Ah bon? Tu récupères un morceau? D'accord. Tu connais Deal Labs? Non, mais là, le truc, c'est que je vais prendre directement avec. J'ai parlé avec une fille d'Orange cet après-midi. J'ai tenu la jambe au moins une demi-heure sur ça. Et donc, je vais changer de forfait en fait. Ça va être beaucoup mieux pour moi. Et donc, du coup, il y aura un téléphone. Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Tu sais, les téléphones qui te payent, enfin bon, puis après t'as 2 ans d'obligation d'être chez eux, je sais pas quoi, enfin bon. Bref, de toute manière, moi, chez moi ça change rien, je suis obligé d'être chez Orange ici, donc. Orange ou Orange, qu'ils m'obligent à rester chez eux 2 ans ou pas, je suis obligé de rester chez eux. Donc on récupère des morceaux, très bien, enfin des pièces détachées. Mais non, parce qu'en fait, vu que je suis à la frontière suisse, je vous l'ai déjà dit que j'étais à 200 mètres de la Suisse. Régulièrement, quand je suis chez moi, mon téléphone passe en Suisse. Tout seul. Et quand je me déplace en Suisse, bah, j'ai bien besoin de pouvoir appeler ou d'avoir un petit peu d'internet, quoi. Donc voilà, vous savez tout. Non. J'ai fait des calculs. C'est des calculs savants en fait, Auguste. Je paye pas plus en fait qu'avant. Donc t'as appelé Internet comme dans X-Files? Ah! Eh ouais, justement. Parce qu'en fait, j'avais un téléphone qui était chez Sosh, mais depuis 1 ou 2 mois, ils ne prennent plus en charge la Suisse. Donc quand je suis en Suisse, ils me font payer. Devinez combien ils font payer le méga? 0,0, enfin 5 centimes le méga. Faut pas recevoir de mail. Hein. Puis pas d'agence de presse. Hein. The Legend will be reborn. Hey, salut Jagatai, comment va? What a load of crap. Ah bon? Quel tas de merde? Il est bien stylé, hein. Bien bien stylé.
Bah écoute, moi ça va, tranquillement. Tranquillement, moyennant que je suis pas habitué à streamer le soir, je trouve que je vais plutôt bien. Bon, j'ai pris un petit café, plus petit que celui du matin, mais... Ah, les scènes de voiture. Les scènes de conduite. Par contre, là, en émulé, il est sublime, non? Là, je le trouve sublime, il passe super bien. Je suis en 1595 fois 1120, attention, c'est... Ok, pour accélérer, c'est ça. Ah, par contre, les voitures ne touchent pas le sol devant. Enfin, il y en a une qui touche pas le sol. Oui, non, il lui manquait les roues de loin. Ok, très bien. Eh oui, Takumi d'Akina Speedstars. Par contre, pour doubler, là, il me faut quoi? Parce que... Juste un truc. Ah, tu ne peux pas... Ah là là, je peux pas savoir quelles sont les touches. Il faut vraiment que je la touche à chaque fois, quoi. Et bon, allez, suivante. Ok, c'est pas Gran Turismo. Envie de jouer à Forza, ça, mais tu peux pas. Comment ça, tu peux pas? L'aspiration, là, t'as l'aspiration, et oui, puis aussi le. Comment ça s'appelle? Ah, mince, bon, pas grave. Un peu fatigué quand même. Voilà. Vous. Lose? Ah déjà? Il veut ouvrir aucun jeu ton Microsoft Store, mais pourquoi? Donc il y a un replay, c'est mieux que Forza Horizon. Pardon. Plus méchant. Je ne peux pas y croire. Mes mains étaient en train de trembler. Non mais par contre pour un mode histoire je trouve ça fort, je trouve ça bien. Pourquoi ils font pas ça sur les jeux de voitures modernes? Je veux. La loose est script. Ça se trouve il fallait que je perde. Hein. Par contre, ça reste bloqué sur le... Izuki Fujisawa from Baylagen Racing. Ok. Ah, donc les poseurs ont perdu.
Je trouve pas ça mal fait du tout, hein. Il y a quelques petits problèmes de... Comment ça s'appelle? Au niveau des accrochages, c'est un peu... Ouais, c'est délicat. Voice in the glory of the night. Voices. Regale us with the birth of the new legend. And melt away in the hot wind. C'est pas moi la nouvelle légende, pardon. Bah apparemment c'est des morceaux que tu gagnes. Tout à l'heure il avait dit que c'était des morceaux, et pas la voiture entière. Ce serait cool ça la voiture entière, mais apparemment c'est des morceaux. Moi, j'aimerais bien que ça aille moins vite. Les textes. Je suis pas si bon que ça en anglais, hein. Bon, je suis safe, ça n'existait pas encore les DLC à l'époque. C'était l'enfer. Je suis arrivé avant-dernier. Vous noterez que j'étais pas dernier. The night is completed. Voilà, on a terminé. J'espère que ça va encore en anglais. Que le premier chapitre, c'était pas uniquement la première nuit. Très court quand même. Midnight plus one. Mais j'adore la musique, hein. Très jazzy, il y a vraiment quelque chose, quoi. Ah là là, je me suis fait avoir par l'excitation. Et salut Kiryu, comment va? Pour l'instant, il est très sympa, donc voilà, à voir un peu plus loin, parce que pour l'instant, bon, j'ai rien vu. J'ai juste vu une course et que ça parlait. C'est tout ce que j'ai vu. Mais moi, ça va tranquille. Tranquille, tranquille. Rombissement des moteurs. Il se pose plein de questions, le héros, hein. C'est ouf. À mon avis, on peut attendre. Ouais, ça va être... Soit ça va être assez court la traduction, soit ça va être très long, mais je voulais pas attendre. Premier chapitre est là, on essaye, quoi. Cimetière des étrangers, d'où est-ce qu'on a ça dans le coin?
tout cas, pour l'instant, la traduction est sûre, hein, donc ça va. Hein. J'ai pas eu de trucs non traduits, j'ai pas eu de... Par contre, il y a beaucoup d'argot. Donc je bloque des très souvent en fait. YouTube Jagoff. Tu vois, Jagoff, je sais pas ce que ça veut dire. Je suppose que ça veut dire couillon ou quelque chose dans le genre, mais... Tu vois, il parle de part, Kaboufi. Il parle bien de pièces détachées, hein, pas de voiture, quoi. Mais on sait que c'est méchant, ouais, c'est ça. Les modèles 3D des persos, ouais, je trouvais que les modèles 3D des persos dans... Comment ça s'appelle? Dans Parasite Eve étaient mieux faits. Là, c'est quand même beaucoup vieilli. Ouais. Ouais, c'est pas le genre de truc que je vais leur reprocher, tu vois. Mais je trouvais que dans Parasite Eve, c'était mieux fait. En tout cas, dans mes souvenirs. Mais ouais, je suis content, moi, avec ce stimulateur, je vais pouvoir rattraper certains de mes retards que j'avais sur PlayStation. Pour lesquels je m'en voulais. C'est un projet plus expérimental que Parasite Eve. Ryu, ouais. Le grand maître du karaté. Eh oui, Ryu! Bonsoir, Louis, comment va? Cette nouvelle sensation. Je veux savoir ce que cela veut dire. Il est poétique, le héros, hein. Très poétique. C'est un jeune poète. Mais ouais, si jamais vous avez, enfin, sur PC, le cet émulateur-là est garanti, quoi. DuckStation. Sans pression, moi toujours sans bière. Tranquille. Non mais regardez le rendu sur la 3D, là. C'est propre. C'est propre sans trahir. Ça, c'est compliqué en général. Après, certains vont dire ouais, mais tu mets des filtres, c'est pas bien. Ouais, mais ils sont minimaux ceux-là. EPC, SXE ou poubelle. Ah ouais, bah ça. Ouais. Ça a rendu bien des services, mais oui, ça. Ouais, ça. Ah, ça a bien vieilli. Yajirobe. Ah mais par contre il faut que je me souvienne des... Ouais le rond c'est... C'était celui-là. Parce que je joue avec une manette Xbox en tant qu'affaire. Le petit mec de boomer. Aïe aïe aïe. Je suis pas assez vieux pour ça. Attends, on conduit là? On doit aller... Attendez, comment ça va se passer ça? Ouf! Ah ouais, ok, alors 3 secondes, j'ai fait start. DuckStation, c'est... Non, c'est uniquement PlayStation.
Ah, il y a plein de unknowns. What is that? Ok. Et salut Chris. Heureux. Mais je sais pas ce qui se passe là. Y a pas de choix de voiture au début, j'ai rien choisi du tout. Du chimilibili. Par contre, la conduite vue de haut, ils préviennent pas, hein. Ah, ils veulent faire une battle. Ok, ça ressemble vraiment à Tokyo Highway sur DC, qui était d'ailleurs sorti aussi sur PlayStation. Ouais, mais bon, quand tu fais start, il n'y a que du unknown. À mon avis, ça n'a pas été terminé de traduire. Ah, mais toi aussi, t'es pas le seul, hein, Chris. Bon, on se mettra du Parasite Eve tout à l'heure pour me raviver mes souvenirs dans ce cas-là. Que moi, dans mes souvenirs, Parasite Eve, c'était. Ça avait mieux vieilli, en fait. Non, c'était Jagatai. C'était Jagatai, moi, non, c'était. Non, moi, j'ai l'impression que ça avait mieux vieilli, quoi. Allez, on gagne. Ouais, enfin, on essaye quoi. Il manque des morceaux. Bon, alors là, je sais pas si c'est l'émulation ou autre chose qui fait qu'il manque des morceaux, mais. Easy ride, baby! Ça vient d'où ça? Easy ride! Pimp my ride? Non. Ça vient de Sega Rally? Il triche, il perd des morceaux, il a plus d'accélération. Ça c'est Garali, Game Over Year. Ouais, bah voilà, carrément. Voilà. Les vrais. Get Rewards. Alors qu'est-ce qu'on lui prend? Tu vois, on lui prend que des morceaux. Allez, je lui prends un morceau de moteur. Donne. Ah, du Daytona. Ah, ce soir, ça va être compliqué. J'ai rien prévu pour de la Saturne. À partir de 380, j'ai commencé à comprendre Ah, le que s'il y a vroom. un roue qui explose, s'il y a la même chose, c'est une allée sans retour. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Une Levin. La Levin, c'est pas terrible de souvenir. Je sais pas ce que je fais. Je reviens en arrière. Que ça prend en compte l'usure, ce genre de choses? Ouf, je pourrais pas te dire.
Je sais pas ce qu'il me veut. On va faire exit. Daytona USA 2 sur Dream. C'était sympa l'OST. Par contre, le jeu, il manquait de punch. Du coup, je sais pas où aller. La version arcade, hein, je l'ai pas fait sur arcade. Il y avait eu un Daytona il y a quelques années en arcade qui est sorti nulle part ailleurs d'ailleurs. Attends, on peut reculer. Sur Emu Model 3, c'était pas en carte Dreamcast celui-là? Ça va en ville, même toi t'oses pas. J'ai un pote qui a roulé à 120 en ville avec moi dedans. Ça fait peur. Surtout quand tu passes devant la police. Mon dieu, c'était il y a longtemps, il y a prescription. Mais il est passé devant le commissariat comme ça. Tout ça parce qu'on avait un pote qui nous avait appelé en panique, qui s'était tapé la tête contre un plafond, je sais plus pourquoi, enfin bref. Ouais. Et là t'as mon pote qui fait « Ah, tu m'accompagnes ?»« Oui, si tu veux. Pardon, je vais rouler de manière sportive. »« Ah oui, 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 je vois ça, oui, oui, non mais oui. » Petit PV. Ils m'ont dit un petit, mais pas de PV, heureusement. Ah ouais, 90 en ville. Effectivement, ça fait. Ouais, ça fait. Hein. Les gens ont reproché ça d'ailleurs, ils ont préféré faire des Daytona Schnapps sur Dream. Qu'est-ce qu'on va récupérer de chez lui? La manual transmission, il faut la récupérer. Ok. Ils n'ont pas adapté Spike Out, oui, je me souviens, ouais. Le beat'em up. Oh, c'est bizarre. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Sans notice, c'est compliqué hein, les jeux de cette époque-là. Bah en fait là c'est une traduction. C'est une fan trad, pardon. C'est une fan trad d'un jeu PlayStation qui n'avait jamais été traduit de l'époque. Et normalement il n'y a que le premier chapitre, tiens rien. Quand t'arrives là. On arrive dans le unknown. Donc voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc j'appuie au pif.
Je ne sais même pas où je dois aller. Ça, c'est autre chose, mais on va rouler un peu. Hein. Il nous a dit où est-ce qu'on doit aller. On doit aller dans un cimetière. Mais je sais pas du tout où il est son cimetière. C'est pas indiqué sur la map. Oh bah tu sais, moi à ce niveau-là, c'est un peu comme Sega. Hein. Ils ont des bêtes de jeu aussi qui n'ont jamais sorti chez nous. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer là? Tu vas vite y finir dans le cimetière, ouais. Ah, c'est le but, hein. Comme ça, je suis au rendez-vous, tu vois, à l'heure. C'est ce qu'il me faut. Mais le pire que j'avais fait en voiture, et ça, c'était plus jamais. C'était une soirée, il y avait... on était en retard pour prendre le dernier RER. C'était RER à l'époque. On était loin, en plus. On était du côté de Versailles, là-bas. Et comme on était en retard, il y avait un type qui faisait partie de la soirée, on savait même pas qui c'était, qui était là. Non, non, je vous raccompagne, vous inquiétez pas. Le mec à l'époque, il faisait partie de la team sport d'Audi. Mais il disait, ouais, vous inquiétez pas, on va y arriver vite fait. Plus jamais. Il faisait nuit et tout, on voyait rien, le mec, il roulait à tombeau ouvert, c'était mort. Quatre minutes plus tard, on était rentré. Ah, c'est un peu ça, ouais, mais plus jamais je fais ça. Plus jamais. Parce qu'en plus, tu vois, c'est côté de Versailles, mais c'était pas Versailles même, quoi. Il y avait vraiment des endroits où il n'y avait pas de lumière. Mais pas du tout. Donc non, être dans une grosse Audi sportive avec un type qui sait conduire de manière sportive la nuit. Ah non, 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 non. Comment ça, t'as raté ton examen de permis? Lequel? Le code ou le permis directement? Le code ou la conduite? La conduite? Oh punaise. Bah bon courage pour la prochaine du coup. Hein. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Lâche rien. Ouais, mais là, ce serait dommage, Auguste, de baisser les bras. Et je t'encourage vraiment à continuer. C'est ça, le temps et les thunes. Ah, faut y aller. Mais il est stylé ce jeu. Il est ultra stylé. Tu roulais trop vite. Ah merde. Ouais, mais le stress, ça nous fait faire des trucs, hein.
Ah là là, faut autoriser, alors attends. Autorisons. Le stress, ça te fait faire des conneries, puis ensuite tu focus de ouf pour plus te retaper toutes les conneries. Alors confiant, je me suis dit go à... Ah non, il va pas me battre lui, hein. Quand je vous disais que les... Par contre, la gestion des chocs, elle est un peu... Voilà. Elle est au mieux bizarroïde. Donc il m'a battu. Un coup de stress, ouais, bah c'est souvent comme ça, puis bon. Bref, c'est... Que moi je croise les doigts pour la prochaine, Auguste. La première, ça va. Je suis sûr que tu l'auras pour la prochaine. La justice s'appelle Nikki. N'empêche que moi j'ai eu des potes qui l'avaient eu genre à la cinquième tentative, tu vois. Cinquième tentative. Mon Dieu, je m'en souviens, c'était son activité principale à part le boulot, c'était... Ouais, je vais faire mes cours, je fais mes cours. Huitième tentative, ah oui. Et autre chose que tu peux faire, c'est demander à ton moniteur les prochaines fois que tu le vois. De faire des parcours d'examen. Tu dis non, bah, je m'en fous, on va faire des parcours d'examen. Comme ça, t'es moins surpris aussi. Il t'en faisait? C'est surtout qu'on applique une conduite pas du tout appliquée. Je te le fais pas dire, surtout dans ma région. Oh punaise. Ici, c'est la mort en poule. Hein. Même si tu viens de Paris. Hein. Ou de Bordeaux, parce que Bordeaux, j'ai eu des sacrés souvenirs de voiture. Hein. C'est pas safe à Bordeaux, la voiture. Mais là où j'habite, c'est le pire. Ici, c'est... Jamais vu ça. Hey, salut Edel, comment on va? T'as eu des soucis sur la route dans le coin? Bon, on a que ça des soucis ici. Les gens qui roulent beaucoup trop vite, beaucoup trop pressés, qui te font des appels de phare, qui se rapprochent de toi beaucoup trop rapidement, qui te doublent alors que la ligne est blanche et continue. Toutes les semaines, mais sinon ça va tranquille. Gentle Road. Ah oh, qu'est-ce qu'il me fait là? 3 secondes.
Voilà. Dans le nord aussi, ça roule, disons. Ouais. J'imagine que ça roule, imaginons. Voilà. Non, c'est Miskiti. Rends-moi le permis depuis que je me suis fait eu. Puis de toute manière, je serai un danger au volant, moi, avec mes maladies. Donc voilà. Non, mon médecin m'a dit ouais, toi, niet. Donc ça, c'est bon, je l'ai ou bien. Je comprends pas. C'est... Ah là là. Et non. Non, non, j'étais tombé sur des crapules, donc voilà, au bout d'un moment. Donc je sais toujours pas où aller, hein. Ça aussi, c'est une belle maladie. Où est passée la map? Ah, ça y est, elle est réapparue. Il voulait être sorti des heures aussi. Oui, Kiryu. Totalement. Puis il n'y avait pas que ça. Il y avait des. Il y avait tout plein de tarifs qui n'étaient pas. Qui n'étaient pas aux normes ni rien de tout ça. Enfin bon, c'est. Du coup, j'avais. J'avais fait un. J'avais fait un courrier à la répression des fraudes. Propre en ordre. Qui m'ont dit que j'avais raison. Oui, mais il faut faire très attention à tout ça. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de rembobinage sur ce jeu. €650 hors taxe, ouais, c'est un peu ça. Puis ce que j'aime bien, c'est le code aussi, quoi. Hey, salut Sliders, comment va? Ils te font passer le code chez... comment ça s'appelle? Chez La Poste. Chez La Poste, ça a 20 balles. Hein. Très bonne nuit à toi Sliders, merci d'être passé, des bisous à toi. Et ils m'avaient facturé ça, je crois, 100 ou 200 balles, alors que c'était 20 balles de base, c'était là, mais... Et même sans les arnaques, ça reste très cher, ouais. Donc moi, ma première tentative, ça m'avait coûté des sous, tout ça. Enfin bon, en plus, je m'étais fait... T'avais une grosse participation aussi de la part de Pôle emploi. Ils étaient pas prêts à me refinancer une deuxième fois. Puis après, je demande à mon médecin, alors, docteur? Non, non, bah non, mais non, mais non, mais non. Pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai un manque d'attention assez patent sur ce genre de truc, donc enfin, vous le voyez de façon. Toi, presque 2000€, ouais, bah c'est les prix, hein. C'est les tarots. Est-ce que c'est là que je veux aller? Comment je fais pour aller là? Attends, non, je peux pas. Je ne peux pas y aller. Bon. Ça demande énormément de réflexes et de focus, surtout au début. Oui, bien sûr.
Après, quand t'es pas habitué, c'est toujours pas simple. Et ouais, c'est ça, c'est. Bref. C'est ça, puis moi, il y a le danger que je pique du nez aussi. Mais que je pique réellement du nez, tu vois, genre. Mais tu t'endors? Ouais. Pardon. Sauf qu'au volant, s'endormir, c'est. Mauvais pif. Non mais laisse-moi gagner toi, il te manque la moitié de la... Voilà. Laisse-moi tranquille. À bois? Tu écris combien d'articles par mois, Coolfly? Pas assez. Pas suffisamment. J'aimerais bien en écrire plus. Mais ça c'est dû à ma forme et... Ouais, ma forme et des formes. Mais après, ça dépend, hein. Moi, mon top du top, j'étais un article par jour à peu près. Enfin, l'équivalent d'un article par jour. Après, un article, ça s'écrit pas forcément en un jour. Puis c'était pas les mêmes quantités que ce que je fais actuellement. Je suis trop distrait en me disant, je gère, c'est bon. Ça, c'est ce que se dit tout le monde, en fait, Guerrier. Peu de gens osent se l'avouer, hein, ceci étant. Déjà, se l'avouer, c'est bien. Mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup de monde, ça. Il reste la solution des chaussures. Ah, moi c'est mort. Mon sens de l'équilibre, c'est mort. Qu'est-ce que je vais lui prendre, lui? Je vais lui prendre ça? Ouais. T'es le roi du monde, eh oui. Quand j'étais jeune, je faisais de la planche à roulettes. Voilà. De la planche à roulettes. Je ne sais pas où je dois aller, je continue de me promener. Hein, ah, il y avait des trucs là. Comme ça, il te donne le permis cette fois. Ah! Bonjour! J'ai plus de 1100 heures sur Forza, vous me le donnez le permis? Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, quoi. Non, mais pardon, s'il vous plaît. Ça roule pas trop la planche à repasser. Hein. C'est juste que là, je suis un peu claqué, donc je me souviens plus de comment ça s'appelle la planche à roulettes. C'est un nom américain. Par contre, la planche à la piscine, ça passe. Hein. Le skateboard. Voilà, merci Edel. Ça, c'était cool le skateboard. Et puis, je l'avais gagné sur Super Loustic. Qui se souvient de Super Loustic dans la salle? Levez les bras, je veux les voir. Loustique, le copain fantastique. Ah là là, vous êtes jeune. Bon, allez.
Je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. 55 minutes, c'est largement suffisant. Je crois qu'on s'est fait notre idée sur le jeu, à savoir que bah, il n'est pas fini d'être traduit, mais il est bien. Il est bien, j'adorerais y jouer. J'ai perdu mon ultra filter. Voilà, on est pas mal. Donc des bisous YouTube, à très vite.